Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News AUD. En fait, nous venons porter pour quelques changements qui fait dans la déportation par Boycott aux États-Unis. En fait, journée aujourd'hui, l'administration Biden a passé en fait son autre étape dans la bataille fait pour réduire sa nouvelle déportation. Donc, il interdit pratique que officiers, agents, que ce soit IC, Custom Border Protection, et Immigration Custom Enforcement, que ce soit CBP, grand pratique et non mais mot 2018, c'est Donald Trump qui te prend décision ça, à côté que l'ité justement encouragé officier yo pour yo te entrer en dans tribunal yo pour al arrêter immigrant. Dans le terme, ici, nous on rappelle New York terrible là ici sous bail ça. Aïssi te fait sa ndarele kota ou si yo tourne nas, j'en ou di le moun kontan nasou, pou altan moun ki a pa gen papier pou depote yo. Et gen pile juge ki te gen problème avec bagay sa, parce que juge te trouve son, c'est comme si yo pa te respecte espace pa yo, parce que c'est là yap légiféré, yap délibéré non tribunal. C'est comme quoi, yo gen doit fin bon décision yo la gon moun, c'est même côté ya nan même espace tribunal la yo arrête yo. Donc, pour un pile juge, ça a été un petit genre diminué pouvoir. Donc, l'administration Biden, non, l'y ordonné. Et attendons, Texas, comme toujours, pour aller mettre ensemble avec un ensemble de républicains pour traîner une décision de la justice. Qui ça a demandé? L'y demandé toute agence, yo, et pour yo, clear courthouse, yo, by tribunal kota ou sur blanche, c'est un effort pour combattre peur que un bon monde gagne sous dossier la justice. Ça veut dire groupe de communauté mais critique yo gagne comme ça. Yo dit gagne des côtés gagne droit gonzac, un monde qui gagne droit pas gagne papier, il gagne droit témoin. Il t'a veut venir parler, est-ce que comprendre? Sur ça qui passé, il connaît le pas gagne papier, tout pas mettre pied. Donc yo dit dans bataille a fait pour la justice, gagne ensemble de monde qui peuvent venir parler. Comme ça tout, moun ki victime tout, qui paient justement paraître devant tribunal. Parce que ou vin ou un système kote ke, illégal immigrant yo, et y a évité kout ke kout pour yo présenter devant système légal là parce que yo paient pour yo pas déporter. Puisque Haïti, justement, te tenas li devant kota ou si yo. Nan memo sa, ki sorti au niveau du département Homeland Security Alexandre Mayorkas li mande tous les deux agences IC CBS pour éviter justement et faire arrestation civile immigration tout précautaucio. En fait je dis à moins que il y ait des cas exceptionnels, c'est des cas graves que c'est des véritables dangers pour la sécurité nationale à ce moment de la durée. Yo kal arrêté moun yo nan courthouse. Memo sa ça li fait li reverse li et justement et rentré et bien memo qui était sorti en 2018 là. Et on dit dernier ça nous relé un interim guidance de la part de l'administration Biden nan. Objectif là c'est balancer importance pour préserver accès que citoyen supposé gagner à un tribunal, assurer que individu a gagne accès à côte là, ça avancer pour gagner sanitaire yon justice qui équitable faire ça fait promotion tout pour la sécurité contre crime moun ki victime surtout aider garantie ça nous relé protection légale en bas la loi. C'est déclaration ça Mayorkas fait sauti. Et lorsque administration, en fait ancienne administration Donald Trump te choisi étant civil immigration arrest dans tribunal pendant effectivement ça a été et gain un pas côté que tout le monde dit bon nous même nous pas parler dans tribunal quitte nos victimes si nous retour nous pas parler monde avec nous pas comme forward pour nous dire tel monde qui tout le monde pas gain vraiment une difficulté pour gain sanitaire en coopération entre law enforcement et des individus qui paguent papier.
Donc, nouvelle guidance ça qui c'est une dernière étape dans l'effort pour mettre ampleur focus là sous Civil Immigration Enforcement et en fait, il dit que y a mettre ampleur là sous ça pour sous monde qui représentait une menace pour Homeland Security. Maintenant, ça que qu'on nous faisait comme si nous devions d'où ou pour un petit ou pour un petit ticket là pour aller dans le tribunal et vous tendez leur paraître et puis agent ici attend. Vous comprenez? C'est un problème. Parce que l'administration de Trump-là te dit bon, c'est plus bon côté pour nous aller là dans le Coda, vous comprenez? Et puis bon côté de nous arrêter. Mais ça, on te dit. Ok? Et donc, les gens qui victimes de crime, même témoin, l'autre parti pendant qu'on se dit non, tout est paix parce que vous ne voulez pas tout prendre, vous êtes allé dans le tribunal. New York, nous songez ça bien, c'est justement aller dans le tribunal pour causer ça. Côté que tu as cherché bloquer ici pour camper enforcement dans Coda House. Et Californie, justement, tu es dans la bataille ça tout. Pour empêcher ici venir arrêter les gens dans Coda House. Mais tu es au niveau de la terre, tu es même un juge qui te pète coquin en bas ça. Et disait le cap décider là. Parce que comprendre bien, le juge avait dit, c'est tribunal moins. Parce que là, on a un tribunal. Juste dans les derniers mois, nous qui vous parlez. Après, on va le faire à pilou. On va venir arrêter les gens dans le tribunal. Donc, quand un juge qui même font bagaille même, il fait une accusé au passé par derrière, bien sérieux. Il fait une accusé au passé par derrière. Voilà. Parce que pratique ça, il te créé la pérez dans la communauté immigrante. Maintenant, donc, son ouf de soulagement plié pour un pile immigrant, justement, qui n'a pas besoin d'en cacher lorsque vous parlez en côte, puisque j'en dis, la priorité, c'est pour des mondes qui sont de véritables menaces à la sécurité nationale. Donc, voilà, guys, nous pensons que l'idée est importante pour nous venir partager. Et avec vous, justement, info ça yo. Et pas oublier que nous autres, dernier update yo, n'a pas ou yo. Et parlant de ça, Fondou, ma konel fait ce parle là. Ma konel dit lui-même, il est prêt pour négocier dans l'immigration. Mais on dit que ma konel, moi, le plus parle de Dreamer. Ça, ma konel parle, c'est Dreamer contre Border. Ça veut dire. La vote Dreamer, je vais garder tout ça, dit parce que ça et ça m'a dit. Ok? Monsieur signalé, je dis que vous n'avez pas supporté aucun projet de loi pour Dreamer, en parlant de Dakar, yo, sans vous adresser le problème qui vient sur la frontière. Vous n'avez pas pris aucun immigration qui est lié avec Bill, même lorsque vous connaissez l'important. Sans y ou pas adresser cette crise sur la frontière. Donc, républicains qui comprennent ça tout, yon nan faiblesse Biden yon là, c'est des autres qui gagnent sur la frontière là. Ok? Et donc, son véritable crise, donc y a exploité le tout. Et comment est-ce que ça vient dans le moment que nous avons annoncé nous avons gagné des groupes bipartisans, des sénateurs emmenés par Durbin qui a en pour parler, ou te parlé, je crois, mercredi dernier, et y a essayé de faire un accord sur Dreamer et Agricultural Worker. Ok? Même j'en trouve un petit PS là dans tout. Donc, nous autres, j'en toujours dit, et nous suivons, c'est une négociation continuelle. Et que, pas de pressé dans le ça. Donc, nous suivons, et tout dernier update, yo, et nous pote yo pour. Donc, voilà, guys, et toujours, restez branchés. Dernière information, nous portons là. Bye bye tout le monde.